Salut à tous, c'est Mana, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, c'est lundi, c'est ce Monday, alors attention, c'est parti! On se retrouve sur le compte de le nain couvreur. Oui, c'est un pseudo qui vous dit probablement quelque chose. C'est pas la première semaine qu'on fait ensemble, le nain couvreur. Comment ça va? Bah écoute, ça va très bien et toi? Ça va très bien. C'est pas la première, je dirais que c'est la troisième, à peu près quatrième sur un autre compte, le tout premier compte que j'ai fait. Et puis alors, ça a donné quoi? Moi, voilà, j'en fais beaucoup des summons, m'en veuillez pas de ne pas toujours me souvenir, mais qu'est-ce que ça a donné les autres summons? Alors, je te fais confiance là, mais sache que tu ne m'as jamais régalé sur les trois premières summons. Ah bah super! Jamais! C'est-à-dire que la première, c'était sur l'entrée du jeu, donc j'avais acheté tous les packs débutants, tout ça, bon, ouais, tutti quanti. D'accord. J'avais 200 invoques, tu m'as eu, je crois, 7-4 nats, pardon, sur 200 invoques. Et le meilleur de tous à l'époque, c'était Trevor, et tous les autres, ils étaient injouables. Oh, putain. Ah, super, ok. On est parti sur une vidéo de qualité, hein, les amis, ça va être... En tout cas, ce qui est bien, c'est que... Je t'ai fait pipi dessus, hein. On va le dire, on va être franc, ah, hein, voilà, carrément. Mais tu reviens quand même, et du coup, le niveau d'exigence, il est extrêmement bas avec toi. Je veux dire, à partir du moment où je chope un truc sympa, waouh, ça sera la fête. Donc c'est cool, ça va, ça. Et moi, en tout cas, j'ai pas la pression. Je peux difficilement faire pire, franchement. Oui, c'est vrai que tu peux pas faire pire. Non, c'est clair. Mais si tu fais pire, là, par contre, là, on n'est plus copains. Là, c'est fini, là. Là c'est fini. Là c'est... Bon, eh ben écoute, voyons voir, 1672 jours, C3 arène, pas de luxe spécial, pas de hurter, c'est pas ton truc. On voit de la GVG, du combat d'occupation, 5 minutes, ok. Ah oui, DB12. Au début, et puis basta. 5 minutes, t'imagines en x10? T'imagines un x10 à 5 minutes? Oh, c'est trop bien. Allez, c'est parti. Hop, je pose mon téléphone. Je vais aller me mater une série. Moi, je reviens. C'est toujours pas fini. Un épisode, c'est fini. C'est pas fini. Excellent. Ouais, non, c'est vrai, ça marche plus. Ça marche plus. C'est fini, cette bonne époque. Par contre, il y a du Raok. Oh, il y a de la Ling Ling. Ça fait plaisir de voir des choses pareilles. Ça, c'est cool. On a fait une petite visite de ton île. Et alors, avant, le Stonehenge, le stockage, tout était ici, hein, les amis. Regardez-moi ce bordel. Regardez-moi ce qu'il y a là. Regardez-moi ce qu'il y a ici. Autant vous dire que Bluestack, il est à deux doigts de se pendre. Donc, du coup, on a tout de suite pris le petit Stonehenge, le petit stockage. Et on s'est barré. Voilà, on s'est barré. Et maintenant, tout est ici. Et là, regardez, on est nettement mieux. Alors, je t'ai pas invoqué de beaucoup de Saknat, mais t'as l'air de pas être malheureux quand même. T'as Bess, t'as Sho, ouais, t'as Barbara, Psamat, Chandra, t'as Godhu, t'as Pra, t'as Verad. Qu'est-ce que t'as d'autre? Sekhmet Okeanos, Brandia Kumar, Laika Velajuel, Rakan Zeros Vanessa, oh ouais, Taranis Diana, Triton, Tiana, oh là 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 là, Ritesh et Ladriel, Charlotte, Syra, Teshar, Ferelia, Mimir, très bien, des petites étincelles d'Arcane Knight qui font plaisir. Fregat aussi, Luna aussi, dis donc. Ah tiens, un petit Ryuho, une petite Alicia là. Bison Feu aussi, Pumbaek, waouh, et ça régale quand même, hein. Ça régale, ah ouais. Ouais, très 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 joli compte quand même. Honnêtement, heureusement que t'as pas eu besoin de moi, hein, tu t'en es sorti bah, tout seul. Bah, je peux pas compter sur toi, donc forcément, ça aide pas. Ah bah, ça fait plaisir. Alors oui, vous entendez deux personnes, parce que il est pas tout seul, notre ami le nain. C'est vrai, je l'ai pas présenté. Mais c'est vrai, ouais, on a même pas... J'ai trouvé ça pas très cool d'ailleurs. Oh, pardon. Et nous, on était partis, là, voilà. En plus, t'es trop discret, Thorex. Vas-y, bah, montre-toi. Thorex, du coup, je connais le nain, on joue ensemble sur ce Manor Noir depuis un bon paquet de temps. Et puis voilà quoi, je viens pour lui souhaiter bonne chance pour sa petite sabane. Eh bah écoute, on espère. Il échappe des belles choses. On espère, hein, parce que alors effectivement pour le moment, ça n'a pas trop régalé. Il a mis de côté 2 vélins légendaires d'attribut haut, il a 15 légendaires. Il a, ça en fait combien ça? 11, 47 Dark and Light. Oh là là, un gros paquet de vélins élémentaires. Et 500 vélins mystiques. Il y a les 2 bénés du pack de collab 2 qui était cadeau, hein, évidemment. Exactement. J'ai vu que t'avais déjà pas mal de Street Fighter. Alors on invoque comment le nain?
Street Normalement. Fighter. Normal. Or, no Street Fighter. Normal. Ok. Je ne veux pas de Street Fighter particulièrement. Je m'en moque un peu. Très bien. Bon, bah écoute. Et j'ai vu que t'en avais déjà eu en plus. Donc, on peut comprendre qu'au bout d'un moment, effectivement. Eh bah écoute. 500 plus les 100 hauts. On est à plus de 600, hein, Vélin Mystique et Élémentaire. Plus de 600. Les amis, les statistiques, vous les connaissez. On espère toujours, hein, on espère avoir un at 5 tous les 200 vélins. C'est pas toujours le cas, hein, malheureusement. Voilà, hein, les statistiques, les mathématiques sont ce qu'elles sont. Hein, elles sont un petit peu sensibles, en tout cas, parfois, voilà, incontrôlables. Hein, on ne peut rien faire, mais on espère quand même avoir 3 nat 5. Et là, c'est un ballon-ballon. Oh, c'est voilà. Marrant. Ouais, c'est très marrant comme BD. Très, très, très marrant. Alors... ballon ou ballon? Moi je dirais ballon quand même. Ah ballon, oh, je suis assez d'accord. Ouais, hein. Je sais pas ce que t'en penses, c'est Torex, mais pour moi c'est ballon quoi. Je pense que c'est ballon, ouais. Après, ballon eau ou ballon feu par contre? Oh bah peu importe. Hein. Ah ouais d'accord, ok. De toute façon t'as les deux je pense. Voilà. Ouais, tout, ouais. Eh bah bon. C'est du skill up, allez hop, c'est parti. Justement, tiens, on tombe là-dessus, ma petite wishlist. Ah. Tu sauras que j'attends rien de particulier. Eh bah réalité, ça tombe bien, tu n'auras rien de particulier. Ce qu'il me faudrait, c'est du skill up pour les 4 nats. Parce qu'en fait, j'ai beaucoup de 4 nats qui sont montés, mais qui ne sont pas full skill. Et bien sûr. Full skill. Et on n'a pas très envie important. De mettre des Devilmon dedans. Je comprends bien, je comprends tout à fait. Et je voudrais sinon, en 5 nats, il me faudrait Bastet et Rika. Ouais, 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 bien sûr, évidemment. Du, sinon, du joli nat 5. En réalité, je m'en moque. La seule que je veux pas, c'est Christina. Sinon, tout le reste. Arrête, mais arrêtez d'être méchant comme ça avec elle, la pauvre. Oh là là, vous êtes tellement méchant. Je pense que c'est si je l'ai, elle part en bénéfice. Mais bon, vous êtes. Il y a des chances, hein. Et bah, pas moi. Pas moi. Moi, le jour où. Oh là là. Oh là là. Oh yes. Eh yes. Eh yes. Alors. C'est qui régale là, hein, franchement? Eladriel ou Lagmaron? C'est plutôt un choix sympathique. En sachant qu'il y en a un que j'ai déjà, T'as déjà Eladriel? Ouais. Et ensuite, tu sais que sur mes trois dernières béné, j'ai eu le choix entre Vanessa Lagma, j'ai pris Vanessa, Feng Yang et Raki, j'ai pris Raki, Charlotte et je sais plus qui. Et j'étais là en mode putain, Lagma. En plus, on a parlé. Il va plus jamais vouloir revenir. Ah non, Lagma, je t'ai trahi. Reviens. Eh, tu vois, il est pas vexé. Voilà, il est revenu. Félicitations à toi. Félicitations, tu as déjà fait mieux que toutes les trois semaines précédentes. Écoute, je suis fier de toi. Ah écoute, voilà. C'est pour me rattraper. Bon, et déjà un. Hein. Déjà un. Hein. On a fait, voilà, 20-25 vélins à peu près. Et déjà le premier nat 5. C'est bien. C'est bien. Moi, je pense que c'est pas mal du tout. Ça augure du bon pour cette summon. Ça fait plaisir. Donc moi, je disais que si jamais je chope Christina, je serais très content. Tu sais pourquoi? Parce que t'es un collectionneur. Pour la box? Parce que c'est le dernier 5 nat vent qu'il me manque. C'est fou quand même. C'est le dernier. J'ai tous les autres. Il me manque que en Christina. Plus, il te manque le dernier, c'est le plus nul. Donc d'un côté, ton compte est bien fait, tu vois. C'est incroyable. C'est incroyable. Il m'en manque 5 en feu, il m'en manque 5 en eau. Et il m'en manque juste un en vent. C'est Christina. Incroyable. Donc le jour où je la chope, en vrai, je serais super content. Voilà, c'est tout. Ce sera pas pour la jouer, hein, juste pour ça. Oui. La Summon Street Fighter, ça va, hein. Tu t'es mis bien. Bah écoute, effectivement, je dois quand même admettre que... je me suis fait plaisir. J'ai invoqué pour moi et je me suis fait vraiment plaisir dans cette semaine. Hein. J'avais très peur. J'avais très très peur, hein, pour ceux qui n'étaient pas là pendant le live. Il y a une vidéo aussi qui va sortir juste avant celle-là, justement sur rediff, hein, de ma Summon Street Fighter. Donc vous devriez savoir à peu près de quoi on parle. Et je me suis fait plaisir. J'avais très très peur, vraiment, hein, parce que les summons de collab, ça s'était pas très très bien passé la dernière fois. Et là par contre, pour le coup, vraiment, c'est cool, très très cool même. Quand j'ai vu le nombre de vélins SF que t'avais, je me suis dit, j'espère que t'auras un truc bien quand même, parce que. Bah écoute, j'espérais aussi, hein. J'espérais clairement aussi. Au total, hein, il me manque 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il me manque 8 skins de la collab. Sur c'est sur 5 quand même, hein. Oh bah dis donc, et en fait il y en a 20 quand même. Mais je trouve ça beaucoup sur le nombre de vélins que t'as invoqué SF. Je trouve que ça fait quand même beaucoup qui t'en manque. Moi j'avais tablé sur 5 max. Quand j'avais vu la summon, je me suis dit, bah, il va lui en manquer 5, les 5 nats ou des trucs comme Mais les 5 nats Dark and Light, en vrai, les chances de les obtenir, tu vois,
C'est très 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 chaud quand même, hein. Franchement, c'est Ah chaud, hein. aussi, j'ai oublié de te dire, Oui. même si tu les détestes, je suis pas loin des 300 invoques Dark and Light. Comment ça, t'es pas loin des 300 invoques? Au Bah, total, tu veux dire? Non, je au comprends pas. total, ouais. Au total, ouais. Je suis pas loin, mais celle-là, dans les 47 qu'il y a là, il doit y Ok. avoir le 300e Dark and Light. D'accord. Bah, écoute, pour le moment, en vrai, quand j'ai vu dans ta box, au niveau Dark and Light, ça va, t'as eu des jolies petites étincelles quand même. Niveau Ouais, 4 non, mais je nattes, suis très content. Ouais, je suis très content. ouais, niveau 4 nattes, en vrai, c'était sympathique. C'était sympathique. Moi, c'est vraiment les pires vélins. Hein. C'est clairement les pires vélins, les Dark and Light, je les aime vraiment pas du tout. Parce que j'en ai ouvert beaucoup, vraiment, hein, vraiment, vraiment, vraiment beaucoup. Et quand je vois encore tous les 4 nattes qu'il me manque, je suis vraiment, vraiment outré, quoi. C'est assez terrible. Mais bon, alors, d'un autre côté, c'est vrai, les gens vont me dire, ouais, mais malade, t'abuses et tout, te plaindre, t'as 4, 5 nattes. Non, t'as 3. Non, j'en ai combien? Non, j'en ai 4. J'ai 4, 5 nattes d'Arcane Light, évidemment. Et oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Ah mais faut C'est, ça mettre au veut quand prorata même des dire. félins que t'as invoqués quoi. Exactement, ça veut quand Je même dire que j'en ai invoqué énormément. Ça fait 6 ans que je joue. Voilà, c'est mon kiff, hein, moi, les summons, invoquer beaucoup de monstres, d'avoir la box le plus remplie possible. Donc imaginez le nombre de vélins d'Arcane Light que j'ai ouvert pour avoir 4-5 nattes d'Arcane Light. Et bah, malgré tout, il me manque énormément de 4 nattes. Et c'est là-dessus que c'est particulièrement frustrant en fait. Mais bon, écoutez, ouais, c'est pas grave. Je suis pas là pour me plaindre. On est là pour summon pour toi, sur ton compte. Et pour le moment, écoute, ça va plutôt pas mal. Hop. Ouais, ça va. Il Ça te va, faut je suis quoi content. comme skill up 4 nattes en fait? Ling Ling. Ok. Donc il faut KFG. Il me faudrait les Rakshasa. Ok. Pour Bang. Qu'est-ce qu'il me faudrait d'autre? Putain, j'ai oublié. Du Galion, Frégate. Hop. Et après, je sais plus, un peu tout. En fait, je prends tout, je sais pas Ok. forcément Ok, de. tu prends tout ce qui vient. Non, mais ça c'est clair, hein. Quand on commence à avoir des box comme toi, il faut skill up beaucoup de monstres, on veut garder les dévilements pour les 5 nattes, alors du coup évidemment, on espère choper des 4 nattes pour skill up, hein. C'est clair que c'est hyper important. Et quand on le voit là maintenant, je suis désolé, un 5 nattes ça sert en RTA. Après, tu peux Ouais. faire de l'arène C1 avec des Mais 4 bien nattes sûr, larges, bien tu peux. sûr, bien sûr. Donc autant avoir des bons 4 nattes bien runés, bien Exactement. skill up, que du Ouais. 5 nattes que tu vas juste monter 40 Alors et pas ça, avoir skill up comme Jamora, quoi. c'est évident, hein. Les 5 nattes ne servent vraiment que pour le PVP. On peut tout faire dans Summoner's War, rien qu'avec des 4 nattes, et voire même rien qu'avec des farmables. Allez, 386 vélins mystiques encore. On est reparti déjà, notre premier nat 5. Tout va très très bien. Tout va pour le mieux. On est bien, ça fait plaisir. Hop. Allez. Il nous en reste plus Petite que basse tête 2. là. Petite basse tête, Ouais, hein. Petite basse franchement, tête, basse petit tête. Trika. Ouais. Basse tête Évidemment. Trika, c'est vraiment les deux mobs qu'il me faut là. Qu'il me faut. C'est les deux dont j'ai besoin. Après le reste, je m'en fous un peu. Ouais, non, mais je C'est des comprends petits tout à fait. bonus. C'est clair que. Moi, en ce moment, je tripe sur Bolverk et Belenus. Voilà, Bolverk et Belenus, c'est les deux monstres qui me font un petit peu. Voilà, hein, Oh, c'est bien briller ça. les yeux quand j'ouvre un vélin en ce Bélénice, c'est moment. tellement bien. Hop! C'est. Ouais, la petite Abigail, très sympa, Ouais, je suis content de l'avoir, c'est hein. Ah vrai. ouais. Le HOH qui faisait plaisir. Bien sympathique. Alors. Bon, les étincelles, faut venir un petit peu là. Soyez pas timide, ok? Oh là là. Alors, du coup, Etorex, si t'as abandonné, c'est ça que tu nous racontais? C'est quoi cette histoire? Attends voir. Exactement, c'est exactement. Il m'a lâchement abandonné, Ah, quoi. c'est terrible, hein. Les Alors gens comme ça, non. on peut pas leur faire confiance, hein. C'est Oh, ça fou. c'est Non, bien ça, d'accord. parce qu'il m'en faut énormément, Ouais, c'est j'ai ça qu'il me vu. faut. T'as Ferelia et Lyanès, hein, c'est Je les ai ça? toutes, je les ai toutes, je les ai. Ouais, c'est une belle famille, hein. Hops, Melia, tout à fait jouable, Erné, très sympathique, et puis alors Faerelia, Lyanes, alors là, pff, nickel. Et tu sauras que c'est les deux étincelles que j'ai eu coup sur coup en LD, c'était les deux là. Ah, back J'ai to eu les deux back? coup sur coup, quasiment. Mais Non, je crois non. qu'il y en a eu un au milieu. Genre, j'ai eu Excellent. étincelle, un mob, étincelle, et j'ai eu les deux. Ah bah ça va. Dis donc, pas mal du tout J'étais ça. plutôt content. Ah bah tu m'étonnes. Bon alors Etorex, comment ça tu l'as abandonné? Dis Alors, donc. je l'ai pas abandonné. J'ai Ah. changé de guild. On était dans une guild qui était clairement en train Morte. de mourir.
Elle était morte. Aïe, aïe, aïe. Maintenant, on s'est d'ailleurs retrouvé avec un tout neuf niveau 50 en chef de guilde parce que tout le monde a quitté. Et je l'ai invité à venir avec moi, il m'a dit qu'il voulait pas parce qu'il faisait pas les GVG, Ah bah il faisait pas super. les GVO, etc. Donc c'est de sa faute et pas de la mienne. Donc Ah bah je suis bien d'accord, t'as bien raison de te défendre. Non mais il fait pas les GVO, il fait pas les GVG. Non mais qu'est-ce que tu Il fais fait sur les Summoner GVG, Storm, mais j'ai je fais envie de pas te les dire. GVO. Je fais pas les GVO. Oh. Voilà, les Ah GVO, bah c'est alors, moi ces qui donnent le gens-là plus de cristaux sur le jeu et là. Ah les là plus. là, mais. Ah ces gens-là, hein. Insupportable, hein. Insupportable. Insupportable, c'est terrible. C'est terrible. Je sais même pas s'ils méritent d'avoir d'autres Nat 5 finalement, hein. Oh bah écoute, j'en ai déjà eu, hein, moi ça me. Ouais. On voit que t'es pas habitué à grand chose avec Mana. Ouais, c'est ça. C'est ça, hein. C'est ça. Tu sais, j'en Bah, ai il eu se un, je contente me de suis très peu, j'ai. heureux. Waouh, incroyable! 600 vélins, il a eu un AT 5. Mana, t'es beaucoup trop fort! Non, non, mais en vrai, hein, j'attends, comme je t'ai dit, j'attends rien de la summon, C'est bien. particulièrement, C'est parce que ça parfait. Et tu sais donne rien. quoi? C'est le meilleur état d'esprit. Voilà, c'est parfait, ça. Comme ça, tu n'auras que de belles surprises. C'est ça qu'on aime. Il y a trop peu de surprises dans la vie. Faut se laisser surprendre des fois. Ne vous attendez à rien. Ne vous faites pas des plans sur la comète. Non, attendez-vous à rien. Comme ça, il n'y aura que des belles surprises. Comme ce magnifique C'est Kumun. vrai. Hein? Franchement, Kumun, est-ce que c'est pas une belle surprise? T'en as monté deux? Non, j'en ai qu'un de monté. Mais quoi? Bah non, il fait Mais pas de ah bah oui, bah il GVO. fait pas de GVO. Bah c'est bien sûr. Oh là là, j'en peux plus de ces gens. Oh! Ah là là. Mais faut suivre maintenant, faut suivre. Ah, Hein. Vous savez. c'est bon, ça, je. Eh, Blue Chain, très Ah, bien. c'est bien ça. Parce Ouais, que je faut l'ai que j'en monté, monte il manque aussi. des skill up. Ouais, bah Je moi l'ai aussi, tiens, il faut que je le monte là. Bon, j'ai monté pas mal de choses dernièrement, bon, j'ai plus trop de compos, mais ouais, le petit Blue Chain là, un de ces jours, il va y passer. Évidemment, on va le monter. Allez, 300, la barre fatidique des 200 vélins qui approchent. Magnifique Renault. Eh oui. Skill up pour le tableau que tu Pour le m'avais fait tableau, faire. ouais. C'est cela, oui, c'est cela. J'irai pas non, hein. Je Ça dirais pas serait non. scandaleux, monsieur. Je pense que personne ne dirait non à Ouais, tableau. tu Hein. m'étonnes. Tu Un m'étonnes. saint d'esprit dirait non à tableau. Oh là là. Allez, on a fait 200 vélins, on a une autre nat 5, on est bien. Il en reste du coup encore. Pouh! Il en reste 500 invoques, hein, total. Hop! À peu près. J'étais à plus de 700. Donc Il restait 500 on en invoques. attend encore deux, hein. On en attend encore deux, tout simplement. Oh, bah Allez, écoute. hop. Bah alors, petit dérapage là, petit dérapage incontrôlé. Et bah c'est l'étincelle, bah voilà! Oh, ok, c'est bien. Petite China. C'est bien. Je crois que j'allais sur toutes skill up, mais dans le tout, ça en fera une de côté. Bah écoute, Ça il y a eu le pourrait être le HOH, hein, ça HOH aide aussi. Hein, Josh, le HOH? Hein? Ouais, moi je N'est-ce le fais pas? pas. Quoi? T'as voulu te défendre tout à l'heure, je Qu'est-ce que t'enfonce j'ai maintenant. entendu? Moi, je le fais pas? Putain, Non, j'en mais peux. je vais le faire, mais je suis pas motivé. Je suis en train de travailler ma team Tricaro Je là, sais et même du pas coup. pourquoi on t'a invité, toi. Ah, bah, super. Alors, tu vois. 287 vélins mystiques, on continue. On attend encore deux nat 5, on est très bien. J'ai jamais fait aussi bien sur son compte, déjà un nat 5. J'ai jamais C'est fait vrai, aussi c'est vrai. bien. C'est Écoute, vrai. est-ce que je t'ai jamais fait une semaine aussi formidable, aussi incroyable? Je t'ai eu un nat 5, tu devrais être content. C'est déjà pas mal. Non, non, Ah, non, mais là, quand même. s'il y a qu'un autre 5, c'est quand même terrible. Hein. Non, 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 non. Je pense Et que ce sera. commence pas à nous porter l'œil. Non, mais je On dis en ça attend pour qu'ils encore au viennent là moins deux. maintenant. Ah non. Ah, bien C'est ça. bien. Ah non, c'est bien. Ça, c'est bien, ça. C'est du skill-up. On a dit qu'on en voulait. Ah, C'est parfait. bah, si C'est tu pouvais me parfait. choper toutes les étincelles hors 5 nattes que des dryades, je serais ravi. Hein. Eh ben non, regarde. Hop, c'est un Malaka. Oh, le Oh, back-to-back qui voilà. régale. 4 vélins, 3 Et étincelles. regarde! Et Ça voilà, aussi, très c'est du bien. beau skill-up! On est ravis. Pour Pour le ton petit deuxième galant pour les GVO. Ouais! Ça va être pour Frégate déjà, ça sera pas mal. Entre celui qui fait Sur pas les GVO et celui qui fait pas les HOH, j'ai envie d'en prendre un pour taper sur l'autre, je vous jure, hein, c'est. Oh C'est ah, terrible! c'est. Non, mais c'est terrible! Mais que fait la S'il vous plaît. police? Alors, ne les écoutez pas. Voilà, moi j'ai envie de vous dire, ne les écoutez pas, écoutez-moi, ok? Jouez au jeu, montez vos 4 nattes, montez plus tard vos 5 nattes pour le PVP, faites votre TOA, faites votre TOA hard, faites votre GB10, DB10 évidemment, avec le starter pack, hein, Sigma Fran Loren, Lapis Crow, et voilà, faites vos HOH, récupérez tout ce que vous pouvez récupérer. Le jeu, il vous donne plein de choses, plein de récompenses. Faites la voix de l'invocateur, faites les défis de Reyna, faites vos events, faites vos quêtes journalières. Les quêtes journalières, les amis, c'est 25 cristaux tous les jours. Je suis sûr, les deux là, vous faites vos quêtes journalières? Oui.
Et oui. Moi. Bah voilà. Voilà. N'écoutez pas ce genre de joueur. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Écoutez-moi. C'est bien ça. Aïe, aïe, aïe. C'est bien. Mais si. Alors surtout les nouveaux joueurs, ne négligez pas l'arène. Faites ah, c'est vos important. Systématiquement. J'ai c'est fait pris ce retard c'est au début. C'est trop important. Les bâtiments, c'est vraiment ah ouais. primordial. J'ai pris ce retard au début. Eh oui, c'est long. Je prends les doigts parce que j'ai bah pas voilà. la def à fond, j'ai pas les PV à fond. C'est long, c'est fastidieux. C'est vraiment, c'est chiant. Voilà. Vraiment, c'est très très chiant de monter les bâtiments de gloire. Mais faites-le. C'est hyper important. Faites au maximum vos ailes d'arène. Vous vous levez le matin, faites-en 10. La pause de midi, faites-en 10. Le soir dans les transports, faites-en 10. Le soir avant de vous coucher, faites-en 10. Ça vous fait 40 ailes d'arène de fête par jour. Et avec ça, en un an et demi, vous aurez fait vos bâtiments. Vous serez tranquille pour tout le reste de votre vie d'invocateur. Mais c'est vraiment hyper important de le faire. Ça va tout vous débloquer, je veux dire, le BJ, les Tricarus, l'arène et le deuxième Nat 5. Ah bah, et un doublon. C'est un doublon. Et c'est un doublon. Bon, après, t'as quelques Nat 5, hein. On n'avait pas c'est de béné. C'est pas choquant. C'est pas faire une béné, il y a de quoi. Hein. On va faire une béné. Non, non, vraiment, les bâtiments de gloire, les bâtiments d'arène, c'est vraiment très, très, très important. Je me suis rendu compte, moi, j'ai un cousin à moi à qui j'ai conseillé de commencer le jeu. Ouais. Et il a commencé, mais il était très, très actif. Et il m'a bâtiments en ah ouais l'espace d'un an de jeu. Bon, après moi j'avais pris beaucoup de retard parce que pendant longtemps je faisais pas du tout d'arène. Ouais. Mais il m'a dépassé à une vitesse phénoménale parce qu'il faisait tout le temps ses arènes. C'est très et bien. Au final, c'est... maintenant il a progressé dans le jeu à une vitesse qui est ah mais c'est impressionnante. C'est clair, ça n'a rien à voir. Imaginez, c'est comme si vos monstres avaient deux runes de plus. C'est comme si tous vos monstres avaient deux runes de plus. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Je veux dire, c'est la différence, elle est incroyable, elle est monstrueuse. Tellement ne pas négliger tous les prérequis, bâtiments, de F et de PV, parce que ça vous aide gravement sur les runes. Ah ouais. Par exemple, rien que pour le BJ, d'avoir les deux bâtiments, bon, moi ils sont pas à fond, mais j'ai un niveau de runes qui commence à être sympa. Mais sinon, c'est la galère. Ah bah juste sinon, c'est clairement la galère. La qualité de vos runes. Bah ça ralentit hein, clairement la progression, hein. ça c'est évident. Après, ça, maintenant, c'est évident. Le BJ avec les artefacts est quand même vachement plus accessible. Ah, un Jean. Un petit Jean Bastet là. Un petit jeu basse-tête. Non, non, parce que c'est pas très important. N'essayez pas de performer, de score en arène. C'est pas ça qu'on veut. On s'en fiche. Mettez-vous avec une def suffisamment forte pour qu'elle vous tienne suffisamment haut, mais suffisamment faible pour pas que vous montiez trop haut non plus. Il faut que vous restiez à un niveau où vous pouvez cleave rapidement. Vous devez faire vos arènes rapidement. Donc il faut que vous puissiez cleave. Et grosso modo, il vous faut 10 minutes pour faire vos 10 ailes avec votre team. C'est ça qu'il faut se mettre comme objectif. Mettez-vous donc pas trop haut. Et voilà, faites vos 10 ailes d'arène 4 fois par jour avec votre cleave, bla bla hop, à coup de Lucène, à coup de ce que vous voulez, mais allez-y, faites vos 40 arènes par jour et vous verrez, vous le regretterez pas, très clairement. Ouais, mais c'est clair, votre c'est vie va changer. C'est ce qu'il faut. Hein. Ah, ouais, c'est là, tu vois, je me suis cette semaine, j'ai voulu voir parce qu'avant j'étais C3, mais j'ai fait une pause donc depuis j'ai plus le niveau du tout. J'ai voulu voir où est-ce que je stagnais. Bah, je stagne au 3000 à peu près, tu vois, je stagne au C2 là. Ouais. J'ai voulu monter, je stagne C2, je dis bah sinon ça fait, je crois, 3 mois que j'ai pas dépassé le fighter. Ouais, mais toi, 3. T'es déjà bien, tu vois. Toi, t'as déjà un niveau juste assez élevé en vrai. Donc, toi, tu restes à peu près à ce niveau-là. Hein, et tu vas gagner 5 points par combat. En plus, toi, t'es vraiment bien. Hein. Il y a des gens, ils sont obligés de farmer à 4 points. Et ça, c'est un peu chiant. L'idéal, évidemment, c'est d'avoir une def qui vous permet de vous le maintenir à 5 points d'honneur par combat. Et puis voilà, quoi. Vous faites vos 10 ailes 3-4 fois par jour. Et vous verrez. Hein. Alors, c'est clair, ça prend 10 minutes à chaque fois. Hein, avec les temps de chargement, hein, on va dire. Donc si vous le faites 4 fois, ça va vous prendre 40 minutes dans la journée. C'est un peu chiant, mais ça peut se faire vraiment à des moments où, je sais pas, vous êtes dans les transports, vous êtes en cours d'allemand, j'en sais... Non, je vais pas dire ça. Oui, cours d'allemand, je comprends. À des moments où vous êtes... voilà, vous pouvez rentabiliser en faisant autre chose, vous voyez. C'est important. Moi, je le dis depuis toujours, mais d'un certain côté, je comprends aussi les joueurs, c'est vraiment chiant à faire, et du coup, c'est pour ça que les gens ne le font pas. Ah ouais, c'est bien, hein. Nice. Oh, mais pour le moment, franchement, t'as que je demande. Hein.
Eh, je remplis le contrat, hein. On a du skill up, on a des nat 5, déjà 2, on est bien, on est très très bien dans cette summon. Parfait. J'aurais jamais cru que Ling Ling serait joué un jour, quand même. Ça, et c'est fou, hein, c'est fou, ces monstres qui passent de 0 à héros, c'est incroyable, hein, ces monstres-là. Hein. On se souvient de Daphnis, on se souvient de plein de monstres comme ça qui, voilà, quoi, qui étaient... C'était vraiment des paillassons, quoi, des trucs où on s'essuyait les pieds dessus tellement ils étaient nuls. Et alors, maintenant, ils sont au sommet. Ling Ling, hein, Ling Ling, bah voilà, l'une des dernières en date, qui est devenue le meilleur monstre anti-buff pour la forteresse. Elle est formidable. Hop, elle est formidable et fusionnable, donc ça la rend mais absolument incontournable. Non, mais elle est vraiment bien. Ah, c'est clair. C'est clair. Hop. Et en plus, les skill-ups sont importants dessus, donc gardez bien vos KFG parce que. Ouais. Ça s'éclairait vraiment d'avoir League of Legends. Il faut vraiment un skill-up. Hein. Eh bah, regarde, oh, encore bah. Du skill-up. Ça, tout ça, c'est des Devilmons, hein. Tout ça, c'est des Devilmons, ça fait plaisir. 189 vélins mystiques, on est reparti. Et on s'est rendu compte qu'on discutait, on n'a même pas fait gaffe au jeu du genre. C'est même pas ce qu'on a chopé après. C'est à vous dans le chat, ce sera à vous de nous dire ce qu'on a chopé au jeu du genre. Parce que nous, on se souvient plus. Oh ouais, non, on n'est pas attentif, hein, on regarde même pas. Oh. Ah bah, ouh. Doublon. Non. Ouais, doublon. Double doublon, Syrah, non, c'est terrible. Oh, justement, tiens, doublon. Prends Syrah, ça frotte le seum à tous ceux qui l'ont pas. Ah, il est méchant. Moi, franchement, j'aurais jamais fait ça, moi. J'aurais jamais. Moi, j'ai beaucoup trop de respect pour vous. Je vous adore, mes viewers. Je vous adore. Je vous ferai jamais ça. Je vous oublie. Je n'irai pas à regarder food une Syrah. C'est vraiment pas mon genre. C'est mal ce que tu fais, hein. Vraiment, je suis pas fier de toi. Je suis quand même pas fier de toi. Troisième nat 5, dis donc. Eh, oui, hey, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Avec tout ce qui nous reste encore, et voilà. On est en avance. Allez, bah c'est parfait. On a, bah par contre, on a la quantité, mais la qualité, c'est un peu dommage. Voilà, c'est doublon, c'est un petit peu dommage. On espère choper quand même quelque chose de, voilà, de nouveau quand même. Ouais, après sincèrement, je vais être franc avec toi, j'ai besoin tellement déjà de Devilmons. Mais là, ouais, je sais bien. Eh oui. Que de les avoir, c'est très bien, mais le temps que je puisse les jouer, ça va être... Bah, je comprends tout à fait. Non, mais vraiment, je comprends tout à fait. Moment, hein. Évidemment. Pour l'avoir et pour qu'il reste dans la box, bah tiens, regarde, ça c'est du skill-up encore. Non, je comprends tout à fait. Je comprends vraiment tout à fait ce que tu dis, ça c'est clair. C'est pour mais ça que, tu vois, je suis pas forcément mécontent. Genre, ouais, attends voir, parce qu'on va juste revenir sur un petit quelque chose qui fâche, peut-être, mais... Dis donc, Théo Hard, t'en es où là? Non, mais merci, un peu de respect, s'il te plaît. D'accord, ça me fait plaisir, hein, ça me fait plaisir, j'aime bien ce que tu me dis. Ça, voilà. J'aime bien. Eh, on va lui demander, Etorex. Etorex. Ouais, ah bah... je l'ai fini day one tous les mois. C'est bien. Ouais, pareil. Je fais le hard, en fait, je fais les 99 étages de chaque. Ouais, et tu fais hard, joli ça. Ah, c'est beau ça. Je fais pareil. Très bien. Moi, je suis fier de vous. C'est parfait, les gars. Non, bravo. Tu me manquais un peu de respect là, quand même. Non, mais écoute, moi, je trouve qu'il y a aussi trop de. On en parlait tout à l'heure. Hein. Il y a beaucoup trop de joueurs qui, voilà, ils me disent, ouais, mais flemme, mana, flemme, les gars, quoi, flemme. Qu'est-ce que vous me dites, flemme? Un Devilmon, un vélin d'Arcane Light, un vélin légendaire. Alors, ok, hein, ok, ça peut être. Une Rina et un Rachid, hein, ça c'est clair. On s'en fout. Mais Summoner's War, c'est un jeu d'opportunité. Il faut se donner les possibilités de choper quelque chose. Parce que peut-être qu'un jour, ce sera pas Rina et Rachid, et peut-être que ce sera Gianna et Psamad, j'en sais rien moi. Donc pensez à ça, c'est hyper important, faites votre Théo hard. C'est pas si dur que ça, quand même. Hein, je pense que je vous ai donné suffisamment de conseils pour que vous y arriviez avec le minimum de prérequis de runes et vous pouvez pas cracher sur un Devilmon, sur un Dark Knight, un légendaire, et tous les cristaux que ça apporte en plus, quoi. Tu sais comment j'ai fait ma première Toward? Non, dis-moi. Je l'ai fait avec les deux homonculus, Mantura, le Taoist Dark. Ouais, bien sûr. Stun automatiquement sur un ouais. Et Spectra. Bah c'est parfait, voilà. Écoute, tu mets ça, ça fait tout hard, pas en automatique, ça c'est clair. Ça manquait peut-être un petit peu de support, effectivement, pour se jouer en automatique, il aurait fallu un petit peu de support, mais t'avais du dot, t'avais du récupérateur de cooldown, t'avais du... Ouais, alors le break dev, d'accord, mais t'avais surtout... Il aurait fallu
Alors, il y avait du contrôle, mais il t'aurait juste fallu un petit support pour permettre de faire ça en auto. Voilà. Et après, tu pouvais clairement laisser jouer tout seul, hein, sans après, compter les étages. Je faisais le manu à partir du 80, tu vois. Ouais, c'est-à-dire que voilà. Les 79 donc, premiers étages, c'était bah voilà, t'étais déjà bien. Ok, ok, bah c'est parfait. C'est parfait, rien à dire. Maintenant, c'est parfait. Plus pareil. Maintenant, c'est différent, mais... Oups. Moi, c'est full auto. Maintenant, c'est full ouais, auto. Full auto, ouais. Même le son. Arrête hein. Vera, de Homonculus. Même les tâches son, maintenant, je le fais en auto. Hein. Les deux, même l'iride, tout ça, je fais... j'ai tout en auto. Le hard, j'ai un peu de mal. Le mais hard, les... alors, il faut juste attendre que l'iride ait fait pop les... Les deux, bah les deux sœurs là, et après je fous en auto. Voilà, je mets en auto en focusant l'irrite, les dots, tout ça, ça va tuer les deux images. Ouais. Et puis non, vraiment easy peasy. Franchement, on ne peut pas cracher sur ça. C'est trop de récompenses. C'est pas, bah, voilà quoi. Oh, tous les cristaux qu'on récupère en Teo Teo Hard, c'est beaucoup trop important quoi. Pour pouvoir les BJ5, très important. Exactement. Et puis maintenant, avec le x10, on a trop besoin, quoi. On a beaucoup trop besoin de refil. Le jeu, ils nous ont offert la possibilité de plus jouer, de plus farmer. On va pas cracher dessus, hein, évidemment, mais il y a beaucoup de gens qui disent « Ah ouais, mais du coup, moi, mes cristaux, ils fondent, quoi. » Et c'est vrai. Mais on joue aussi et on farme beaucoup plus qu'avant, hein, mine de rien. Il faut que les cristaux rentrent aussi, hein. Ça passe par le CB12, hein. Ouais, mais non, on conseillera jamais ça. Ah. On conseillera jamais ça. Bah, mana. Bah, écoute, qu'est-ce que je te dise ? Ça arrive, bah. Ça arrive. J'ai même chopé des 5 nats Street Fighter sur les summons normales, hein. Donc. Moi, j'ai fait que des summons normales et j'ai eu une béné entre Ryufeu et Ryo. Mais non, et incroyable. J'avais déjà le Ryufeu. J'avais pris le haut, du coup. Incroyable, tiens, regarde. Oh, mais là, oh, c'est là, parfait. Là, mais ça c'est régale. Tous ces petits dévilements qu'on invoque là, ça fait plaisir. Ah, c'est bon ça. Ça, c'est très très bon. Franchement, ouais. Vraiment. C'est archi important. Oh là là, il y a des étincelles. Mais oui! Très bien. Clara, ouais. T'as Luna et puis t'as Clara, hein, skill up, j'imagine. Je l'ai pas encore monté, Clara. C'est vrai? Oh. Non, je l'ai pas encore monté. C'est vrai, putain, j'en peux plus de lui. Aïe, 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 aïe. Bon, c'est pas grave. C'est ouais, là, je suis pas aussi grave. Sur côté, ça va. Oui, c'est vrai, c'est question, vrai. J'ai une question, Mana. Bah, tu peux, bien sûr. J'ai quelqu'un que je connais, du coup, qui est assez débutant sur le jeu. Ouais. Et son copain, qui lui est un peu plus avancé, lui a conseillé de monter la vieille team raid qu'on faisait à l'époque avec Diaz, etc. Non. Et on est d'accord. C'est non. Faire que du BJ4. C'est non. Aujourd'hui, surtout avec les artefacts, hein, le prérequis de runes est très diminué, hein, pour faire le BJ5. Donc aujourd'hui, à partir du moment où le raid, vous allez commencer à vous y intéresser, en farmant quelques artefacts, vous allez avoir la possibilité de le faire. Pareil, hein, si vous avez fait aussi un petit peu vos bâtiments quand même avant. Mais a priori, tout le monde devrait réussir à commencer le raid directement en BJ5. Si ça passe pas, pas de stress, c'est pas grave. Faites un peu de BJ4 en attendant. Voilà. Si votre balègre n'est pas suffisant, faites du BJ4. Et une fois que votre balègre en BJ4, il fera 34-35 des 4 dégâts, hop là, vous pouvez monter au BJ5, ça ira bien. Non, vraiment, aucun problème. Plus personne ne fait de raid normal. Alors, montez votre team et pour vous retrouver avec « Ah bah finalement, il n'y a personne pour faire du raid avec moi », ça n'a aucun sens. Ça n'a absolument aucun sens. Hop. Parce que du coup, la personne avait Sixstar, Diaz et Xiaolin. Et... Bon, après, tu peux t'en servir, hein, Diaz, pourquoi pas, tu peux t'en faire autre chose. Xiaolin, bon, c'est un peu plus embêtant, mais non, faites-moi. Ne faites pas ça. Si, à partir du moment où vous commencez à vous intéresser au raid, voilà, hein, commencez à vous renseigner sur la team BJ5 et comment on la monte, et ça sera bien plus efficace. Allez, 87 vélins mystiques, dernière ligne droite. On a déjà 3 nats 5, on est bien. Ce qui est dommage, c'est que c'est deux doublons, hein, quand même. Donc pour le moment, que Lagmaron comme nouveau jouet. Mais on a encore largement de quoi en choper. Hein. Donc pour le moment, franchement, c'est pas grave. Surtout qu'on a eu plein de Devilmons, hein, plein de doublons qui vont servir de skill up. Donc on est bien. On est très bien. Hop. Allez. On a eu plein d'étincelles sur la session d'avant, là. Faut pas que ça s'arrête. On a eu 3 en 4 vélins aussi, à un moment, quand même. Ouais, non, mais 3 franchement... En 4 vélins, ouais.
Non, vraiment, vraiment excellent. Pour le moment, et je t'avais pas habitué à ça quand même, hein. Ah non, 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 là, c'est du... Ah, t'es content, là, t'es ravi, regarde, t'es ravi. Bah, pour la future Astar. Pour la future Astar. La future Astar ou la future Iris, peut-être, je ne sais pas. Mana va encore me taper, mais j'ai pas de Astar au stockage, parce que je pense que j'ai dû la foutre un jour. Ah, les amis, les amis. Est-ce qu'il faut que je répète encore les règles de Mana? Oh, regarde, encore un Devilmon, il est magnifique. Mais en vrai, pour le moment, tu me régales, hein, sur les Ah, c'est fou, hein, t'as vu ça? C'est vrai que t'as que des 4 C'est bien, hein. Hop, 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 hop. Ça aussi, c'est ça aussi, c'est bien, ouais. On en a déjà eu un, donc c'est pareil, c'est du ski lapin. Bon, les gars, les règles de Mana. Première règle de Mana. On garde un exemplaire de tous les 3 nattes d'Arcane Light. Voilà, on ne fout pas ces 3 nattes d'Arcane Light. On en garde un exemplaire de chaque. On n'est jamais à l'abri d'un up. Regardez Mio. Regardez Mio. Et les 3 nattes d'Arcane Light, les vélins d'Arcane Light, on en a tellement peu, vous êtes pas sûr de pouvoir le récupérer facilement. Si vous avez foutu votre chat martial d'arc avant les 2A, je pense qu'il y en a pas mal à qui ça doit parler, vous en êtes mordu les doigts, et peut-être que vous en mordez encore les doigts de ne l'avoir jamais récupéré. Moi, j'ai suivi cette règle pour le coup. Eh ben c'est très bien. Mais t'as pas suivi la deuxième règle. Parce que la deuxième règle, c'est qu'on garde un exemplaire de tous les 4 nattes élémentaires. Pour la même raison, oui. Les 4 nattes élémentaires, vous êtes pas sûr de pouvoir les récupérer facilement. Si un jour il prend un up, et ben voilà, comme Etorex, vous pleurez des larmes de sel. Donc, on garde un exemplaire de tous les 3 nattes Arcane Light, on garde un exemplaire de tous les 4 nattes élémentaires. C'est les deux premières lois de Mana. Et la troisième règle de Mana, c'est on ne fait pas de reroll, on ne fait pas de smurf, on ne fait pas de petits comptes, on ne fait pas ce genre de choses, parce que tout le temps que vous passez sur votre compte principal, c'est du temps de gagner, c'est du grind en plus, c'est... Voilà, n'allez pas vous perdre sur un petit compte où vous allez invoquer des monstres que vous n'avez pas, des 5 nattes d'Arcane Light, même pour certains, hein. J'en vois passer régulièrement des screenshots, des gens qui m'envoient « Bah là, regarde ce que j'ai chopé sur mon petit compte, je suis dégoûté !» Ben ouais, mais après, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est vous qui vous mettez vous-même dans ce genre de situation, ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Voilà les 3 règles de Mana. Hop. Alors, c'est marrant parce que Etorex n'a pas respecté la deuxième et j'ai pas respecté la première. Eh bah voilà, vous voyez. Du coup, c'était... les events où il donnait les trois stars d'Arcane Knight. Ouais. Et bah j'ai couru après Mio, j'étais en mode... Tu vois, et encore heureux, hein. Franchement, encore heureux qu'il y a eu ce genre d'event, hein, et que certains ont justement pu récupérer, rattraper un petit peu leurs bêtises. Après, les bêtises, et bon bah ça arrive, hein, je veux dire, personne n'est parfait, moi-même, hein, moi-même je ne suis pas parfait. Donc, même si on pourrait évidemment le penser, mais non, non, je vous assure que non. Non, vraiment, faites attention. Moi, je veux dire, je vais pas vous frapper, hein, je suis pas... Vous faites ce que vous voulez, vous êtes grand, vous êtes des adultes, hein, j'imagine, pour la plupart, majeurs et responsables, donc vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Si vous voulez foutre tous les monstres, si vous voulez foutre des Christina, je sais pas, faites ce que vous voulez, c'est votre compte. Mais bon, moi, ce que je fais, c'est que je donne des conseils, des lignes directrices, quoi. À vous d'en faire ce que vous voulez. Vous êtes libre. Pour donner un exemple de pas foutre, de ne pas foutre à certains mobs, j'ai eu tes chats. Quelques moments, il y a quelques temps, et j'avais pas de bénédiction, et j'ai décidé de foutre. Alors attends, je vais le kick du Discord, lui, parce que j'en peux plus. Hein. Alors c'est vrai que ça, du coup, je pense que je le ferai plus maintenant, parce que le up est tombé. Pourquoi tu le dis? Mais parce que c'est pour expliquer aux nouveaux joueurs de pas faire ça, parce que c'est pas très malin. Aïe aïe aïe. Oh merde. Oh ah là là. Après, hey, moi je pense qu'on peut pas non plus en vouloir aux joueurs, parce que il y a certains streamers, certains youtubeurs qui le font. Voilà, à la vue de tout le monde, ils le font. Hein, suivez mon regard, vous savez de qui je veux parler. Hein, voilà, bien sûr. Alors du coup, ça donne le mauvais exemple. Après, voilà, j'avoue que je me disais juste, tes charges, j'ai déjà énormément de carburant, etc. C'était pas voilà, un bien sûr. Et puis finalement, c'est qu'un 5 nattes. Hein. Après tout, c'est 0,5% voilà. De chance d'en invoquer un. J'ai envie de dire. Ça tombe comme sous les sabots d'un cheval, bien sûr. Ah là 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 là. Prochaine étape, il va foutre des 5 nattes d'Arcane Light, hein, vous allez voir. Ouais, mais ouais, Jahara... Il va foutre Nikki. Jahara, finalement, c'est pas terrible, hein, c'est pas terrible. Je peux pas le sortir, c'est nul. Bon, par contre, faut se calmer sur les mettre DD, quoi. Bah, écoute, pourquoi pas. Mais si t'invoques tableau après, ça ira. Si t'invoques que le Dark, ça sera un peu plus... Et... C'est chiant, parce que je l'ai déjà, du coup. Ah, tu l'as déjà. Ouais. Ça sera encore pire, du coup. Mais... Dernier vélin, pas d'étincelle. C'est pas grave. 500 vélins, 3 nat 5 pour le moment. Et oui, beaucoup de skill-up. On est très bien. On est très très bien.
Parfait. Bon bah écoute, allez, on est parti. Les vélins de vent. On a 7 béné. Y'a qui que t'as pas en vent? Ator Ganymède. Christina? Non. Alors, Ator Ganymède. Ator et Ganymède. Christina. Non, mais pas Ator Ganymède. Mais ah ouais, explique-moi pourquoi tu veux Ator et Ganymède, tu fais pas de RTA. Alors, Ganymède, parce que j'adore les rois des fées. Et d'accord. Ator, juste parce que c'est un cancer, et je me dis le jour où je dois faire de la RTA, vu qu'ils sont pas près de la nerf, bah moi j'aurai un petit cancer sur patte et ce sera bien. Vu qu'ils sont pas près de la nerf. Il a tout compris, hein, il a tout compris. Et comme to us, il les connaît depuis un moment. Oh là là, regarde, même ici on chope des débilmons. Incroyable! Il y en a partout de ces débilmons, c'est fou, hein! Ça pousse comme de la mauvaise herbe, c'est incroyable. Pour ça, faut jamais être deg de choper une summon avec que des 4 nattes, faut pas être deg, c'est toujours utile. Mais bien sûr! C'est clair. Bon, je le dis maintenant, mais la première summon que tu m'as fait avec mes 200 vélins et Trevor en meilleur 4 nattes. Ouais, mais. J'étais un peu maudit, quoi. Un peu. Ouais, je comprends. Je comprends, je comprends. Mais là, ça va mieux! Maintenant. Ouais, correct. Ah, ça va, quand même. Quand même. Non, c'est mieux. C'est déjà mieux. Regarde. Oh, bah. Regarde. Ça a l'air. Ah, super. Astar. Ah, bah. Magnifique. Ah, bah. Parfait. Pourquoi c'est pas mon compte? Parfait. C'est quand même pas difficile, hein. Franchement, ce jeu. Il suffit de. Hop. Et voilà. Tu veux là, le monstre. Il y a ma part Rika, là. Ah, tu m'étonnes. Oh, la bah, faut qu'elle claque la béné, là. Bah, sur les hauts, ce serait bien. Oh, tu m'étonnes. Ouais, dans un monde parfait. Allez, oui, une étincelle, allez. Non, c'est Scarlett. Bon, c'est, je l'ai pas. Je l'ai c'est pas. Stylé pour le... la Christina. Ok. Ah bah très bien, bien, bah voilà. C'est parfait, c'est parfait. C'est pourquoi parfait. Farmer les SD quand on chope. Allez, il nous reste 24 vélins de feu encore, puis ces vélins d'eau. Et on attaquera les choses sérieuses. On a pour le moment 3 dates 5, on est parfait. On a eu ce qu'on voulait. On voulait du skill up, on a eu du skill up. Maintenant, tout ce qu'on pourrait choper, ça serait en plus. Ça serait, voilà, hein, ça serait de la régalade encore plus. Du coup, on attend ça avec impatience. Allez, allez. Bah ouais, un nouveau jouet. Bah, j'avoue. Déjà. Voilà, pour le moment, il n'y a que l'Agmaron en nouveau jouet quand même. Hein. C'est... Ouais, mais ça me va. Franchement, ça me va. Ouais. Je peux avoir ça. Ouais, c'est un beau jouet. Ah, c'est un beau jouet. C'est vrai que pour le coup. Pour le coup, c'est plutôt sympa. Bah regarde, mais c'est oufissime par contre. Hein. C'est incroyable. C'est waouh. Franchement. Incroyable. En choper un ou deux, d'accord, mais là, je sais pas combien on en a chopé. Il va être full skill le frégate. Ouais. Ceux qui vendent un galion qui n'est pas encore skill up en sueur hein, devant cette semaine. Ouais, ouais mais par c'est contre, ouf, ouais. Quoi. Oh, tous ceux qui veulent un galion full skill. Allez, une petite dernière étincelle là. Eh ben non. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Peut-être sur les vélins d'eau. Peut-être sur les vélins d'eau. Là, il y en a 100. Il y en a vraiment beaucoup. On devrait avoir 8 étincelles. 100 vélins, c'est 8 étincelles. La première. Et si on pouvait choper Bastet. Bah non. C'est pas Bastet. Bah ça, c'est bien pour Yon Hong ou Wolyong de tout à l'heure. C'est pas si mal. Ouh là là, attention, toi, tu vas te porter l'œil à faire des choses pareilles. Ah là 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 là. Wolyong ou Yon Hong du coup. Les deux. D'accord. On ne choisit pas. Non, non, non. Ça se fait pas. Voilà, on choisit pas entre deux non, jeunes filles comme ça. J'aimerais trop un jour voir une summon de mana et le mec dit oh non, pas Wolyong, je la déteste. Oh. Et là, le mec. Je crois que j'arrête la summon. Ok, pas de problème, je lui food. Tu la veux pas? Je te la food. Allez hop, ça dégage. Hop, 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 hop. Le petit chou-liu. C'est bien. C'est bien, en vrai, il était pas mal quand même. Ouais, pas mal. C'est un bon monstre. Elle est sympa, ouais. J'avoue qu'elle est très sympa. Alors, elle est où Bastet? Allez. Ouais, j'aimerais bien. Putain. Bastet, j'aimerais bien. Non, encore Malaka. C'est fou, hein. Il y a toujours les mêmes monstres qui tombent. C'est bizarre, hein. Oui, oui, j'ai beaucoup. Tu vas voir, on va avoir une lapis. Hein. On va aussi avoir une lapis, hein. Allez, une lapis, mais si on chope Bastet, en vrai, c'est pas grave, hein. on n'est pas déçus. On n'est clairement pas déçus. Bon alors. Ah, tiens. Allez. La Bastet qui ferait plaisir, en effet. Bon, les étincelles, là, s'il vous plaît. Allô. Non. Après, s'il n'y a plus d'étincelles, mais qu'il y en a une avec ses Bastet, je pense que c'est ok. Ah, voilà. Après, il y en a déjà eu pas mal, hein, en soi. C'est vrai. Eh ben non, c'est Tyron.
Excellent monstre. Excellent monstre. Le Vérade du pauvre. Eh, même pas, hein. Franchement, c'est aussi fort que Vérade. Hein. Tellement bien. Ok, ok. Dernière ligne droite, là. Dernière ligne droite. Attends, on a déjà eu 6 étincelles sur lui. C'est déjà pas mal, hein. Non, déjà 6. Bah, je crois. Hein. Ah, ouais. Mais non. Si, si, je crois 6. Je crois qu'on a eu 6 étincelles, là. D'un coup, au début. Ok, ouais. ok. J'ai même pas fait gaffe, moi. Allez. Oh, on pourrait être au-dessus des stats, pas juste dedans. Nous, on veut être au-dessus. On aime bien, voilà. Bien être au-dessus. Allez. Qu'on claque la béné, là. Histoire que je puisse exactement. Qu'on claque la béné un bon coup. Ah, parfois, il y a des bénés, il y a des choix compliqués, oh, quand même. Et hier. Ah, ouais, ouais, il y a des choix très, très difficiles. Il hein. Y a vraiment des choix difficiles. Hein. Bah, une, sur les mobs où, sur les mobs où, il n'y en a pas un seul. S'il y a Bastet face à n'importe qui, c'est Bastet qui, que je prends. Oui. C'est sûr, tu m'étonnes. Évidemment. 29 Vélindo. Let's go. 29 vélins, 29 chances. Allez, d'améliorer encore cette semaine. Déjà très bien. Déjà très très bien. Allez, une étincelle. On claque la béné, on sort Bastet, ça serait tellement beau. Ah ouais, là. Ça serait magique. C'est incroyable. Allez. Ah, je saute au plafond, c'est clair. Que Bastet, quoi. C'est un... Ouais. Le mob, ouais, c'est clair. Que tout le monde veut, je pense. The support, hein. The support du jeu, quand même. Allez, là. Aegir. Okay. Ah bah, encore. Encore, encore. Ça aussi, bah là, hein, c'est une famille où t'as besoin pas mal de skill up, donc en vrai, ça va. Si on a une étincelle, bah on est au-dessus des stats. En plus, en roi barbare, t'as Mimir et t'as l'autre, le Dark, ouais. Mungrir, je sais plus son nom. Rugnir. Déjà. Là, il me faudrait Asveg. Asveg, ouais. Ouais, il faudrait que je le skill up. Ouais, parce que c'est important de le skill up aussi pour GB12. Ah oui, c'est clair. Il m'en manque pas beaucoup. Ah bah voilà. Il m'en manque pas beaucoup. Mais... Bah tiens. Ah bah. Voilà. Le premier. Voilà, le premier. Le premier et le dernier. Il est partout. Ah là là. Bon bah voilà, 3 nats 5, plein de skill up. On est ravis. C'est parfait. Franchement, pour le moment, la summon, très bien. Bon, on continue. Bah là, on sait ce qu'on veut. Hein. Allez. Allez, bah là, faut claquer la béné, là. Là, c'est pas là rien, on claque la béné. On pas... Les mecs qui ont pas galion, qui l'ont pas skill up, ils sont en sueur. Hein. Tu m'étonnes. Et Talia encore, je crois que c'est la troisième qu'on chope. Ouais, ouais. Et 15 vélins légendaires, les amis. 15 vélins légendaires. On va la claquer, cette béné, oui. Encore. Allez. Mais je te dis, toujours les mêmes monstres, c'est fou. Ah, Trevor. Le Trevor, le fameux. Arrête. Et bah voilà. Et bah voilà. Et bah ce sera... Ah. Soit le bison haut, que bon, je suis pas très très fan, et le nouveau démon feu, attention, le démon feu 2.0 avec ouais, sa mécanique unique de ne pas pouvoir cleanse les effets néfastes. Du coup, il fonctionne avec Tiana, c'est vachement marrant. Ah ouais? Ouais. Ah ouais, pas bête. Si il met son skill 3, Tiana elle peut mettre son skill 3. Elle peut mettre son skill. Ah ouais, c'est sûr. Ça enlèvera pas les dates. Ah ouais, pas mal. Génial, génial, cette nouvelle mécanique. Intéressante, hein. Intéressante. Très bien, alors... Bah, le démon. Le démon, hein. Oh, t'avais dit démon. Que tu t'en fichais des Street Fighter. Eh bah, très bien. Parfait, ça. Ce petit bail, très très bien. Allez, on continue. On a plus de béné, maintenant. C'est à l'ancienne, sans filet. On prend tout ce qui vient. Allez. Quatrième NAT 5, encore, ouais, quatrième NAT 5. Est-ce qu'on peut faire encore mieux? Allez. Fake chimère. Je crois que je l'avais pas, elle. Je crois que les gargouilles, il manque la haut, je crois. Ça peut faciliter le tri KO d'ailleurs, la gargouille feu. Allez là. Ok, le HOH. Tu as pas besoin de le farmer. Non, c'est pas. Non, mais. Ah bah. Mais quoi? Mais je donne raison. Bonjour. Ok, très bien, Dalsim. Voilà. Non. Celui que j'ai eu deux fois déjà, je crois. Celui que j'ai eu deux fois. Oh, bah non, mais...
Bon, un 4 nat. Le Gan. Après, bon. C'est plus rare d'avoir ça qu'un 5 nat encore. Non, non mais. Ah, alors, on parle le back to back. Le back to back de Monster Wake. Incroyable. Logan into Kunit. Deux trucs qui servent à rien. Très bien. C'est fou. Eh, ça, c'est de la bonne foule. Hein. Pour passer un 5 étoiles, t'es ravi. Hein. T'es bien content. Quoi, t'as même pas eu besoin de la monter. Très bien. Allez, encore un. Allez. Dernier. C'est bien, mais c'est pas basse-tête. Ah, c'est du skill-up, il en voulait. Oh là là, encore. Oh là là. Qui n'a pas Galion? Eh, je suis désolé, hein, vraiment, à tous les gens qui n'ont pas Galion, à tous les gens qui en ont besoin pour skill-up le leur. Pardon, je vous dis pardon, je suis désolé. Ne regardez pas si vous n'avez pas ouais, Galion. C'est fou, hein, c'est... C'est ça. C'est un fameux 3 marques. Voilà, c'est ça, c'est... on a monté un équipage de pirates. Bon, bon, bon. Les choses sérieuses commencent. 47 vélins Dark and Light. T'as tous les 3 nattes ? Alors justement, il m'en manque un seul. Ah. Un seul et unique que je n'ai jamais eu. Ok. C'est le chasseur de bêtes Light. D'accord. C'est le okay. Seul. Pourtant, j'en ai manqué un des LD. Mais... Le bon vieux bec du. Alors du coup, il y a quand même des Street Fighter intéressants en Dark and Light. Hein. On invoque... Non. 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 Petite Chun-Li. Non, non. Ok. Je trouve qu'il y a trop déjà de 4 nattes. Pas de problème, je ne discute pas. Très important. Pas de problème. Pour me réduire et... Eh, c'est ton compte. Aucun problème. Allez, on veut bec du et une jolie étincelle. Une jolie étincelle, un joli monstre, pas HOH. C'est tout ce qu'on veut. On n'est pas exigeant. Allez, c'est parti. La Miyuki Pop. Bah écoute... Alors... Je les doigts très fort, là. Allez, allez, notre étincelle, où est-ce qu'elle est? Alors... Que du dark. Non. Pas d'étincelle. Darion. Jultan, ok. Il y a des bons monstres. Mais alors... Quand ils veulent. Quand ils veulent. La première étincelle, c'est vraiment... quand vous... voulez, hein. Tranquille. Voilà. Détendez-vous. Ça vient, ça prend son temps, ça vient de loin. Oh, je regarde, tu sais, j'admire, hein, j'admire... Tous ces vélins qui partent en fumée. Light and Dark. Non, mais quand je vous dis que c'est les pires vélins du jeu, hein, personne veut jamais me croire, c'est incroyable, ça. Hein. Et pourtant, ça c'est va, le cas, 27 hein. 27 sans étincelle, c'est pas mal, quand même. Ah, laisse tomber, quoi. C'est pas mon record. Mon record c'est 53 sans étincelle. Oh. Pendant une semaine de guild, j'ai fait 90 vélins. Hein. 90 vélins d'Arcanet sans étincelle. Hein. Ouais, mais c'est terrible quand même. Ouais, bon, alors heureusement, ça s'est bien fini, mais quand même. Bon, et vraiment, hein. On va le faire. Le 47 sans étincelle. Et toujours pas de bec du par contre. Hein. Ah, bec du non plus. Eh ben, c'est pas la bonne couleur. Dommage. Le dark est tellement fort. Au moins, c'est pas un chouache. Ouais. Ah là 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 là. Allez, une autre, on y croit. Ouais, quand on voit le temps qu'il y a eu... La machine est débloquée, tu sais. Tu dis bon, t'as une. T'as eu plein d'Inugami en tout cas. C'est bien, c'est dingue, hein. C'est choquant. C'est mais Begdu qui ne veut pas venir sur mon compte. Non, Begdu ne veut pas, c'est fou, hein. Allez. Kabila. Dernier vélin. Eh ben. Oh là. Peut-être Begdu. Begdu peut-être. Alors Eh ben. Putain, on l'a eu trois fois, lui, je crois. C'est pire vélin, vraiment, les Dark and Light, mais j'ai envie de leur cracher au visage, quoi. C'est l'enfer, ces vélins. C'est vraiment l'enfer. Heureusement, le reste de la summon a été très bien. 4 nat 5 au total, 3 sur les vélins mystiques et élémentaires. Ce petit lag marron qui fait bien plaisir. Ce petit Bélial
Baël, je me trompe tout le temps, hein, je me trompe systématiquement. Ce petit Baël sur les vélins légendaires, on a eu beaucoup de skill up, en particulier pirates. Hein. On a eu beaucoup de skill up aussi pour les dryades. On en a eu plein, c'est bien. On s'est vraiment, vraiment fait plaisir niveau skill up. Mais alors, la grosse déception, c'est ces vélins Dark and Light. Hein. Rah, ces vélins Dark and Light, c'est fou. Hein. C'est fou. Combien on a eu de galions? Ça me... Ouais, je sais pas, je les ai rangés au fur et à mesure, donc je ne sais pas. Peut-être que quelqu'un qui aura regardé toute la vidéo pourra nous dire combien on a eu de galions au total, mais on en a eu un sacré paquet. Hein. Oh, c'est impressionnant. On parle quand hein. même du back-to-back fake. Ah ouais, non, mais... 4 wake. Oui, c'est vrai. Back-to-back, hein. C'est vrai. Le Logan into Kunit. Non, mais c'était fort ça. Les deux là. Back-to-back. Ah ouais. Back, hein. Back-to-back. C'est un seul, deux. Incroyable. Wake. Alors que pourtant, les chances de choper un monstre directement awake sont extrêmement faibles, hein, donc c'est assez fou, c'est assez fou. Bon, en tout cas, je suis très content, mais pas Bastet, ouais. Pas de Rika, pas de Bastet, mais de nouveaux jouets sympathiques, et beaucoup de skill-up, bah voilà, ça fait plaisir. Le Nain Couvreur, ça m'a fait très 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 plaisir d'invoquer sur ton compte, et enfin, de te respecter un petit peu. Enfin, après toutes ces summons, ça va mieux du coup. Et Torex, merci beaucoup à toi. Je vais te rendre ton compte, le nain, et puis et je te dis à la prochaine fois, du coup. À la prochaine. À plus. Merci, allez, madame, salut. Ciao.